je refais. Salut à tous et à toutes, c'est Frick aujourd'hui mes amis. Eh bien on se retrouve tout simplement pour un nouveau concept. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, je pense que oui, lors de ma dernière vidéo. Et en fait comme dans le titre, là, vous avez vu les anecdotes de Frictos. Donc en fait j'étais là en train de marcher tout ça pour aller vers le taf. Donc le taf en Belgique bah c'est le travail quoi. Et je réfléchissais, je sais pas, à des petits concepts sympas. Et puis j'ai trouvé ça parce que, si vous voulez, moi je suis un gars qui a quand même déjà vu pas mal de choses dans ma vie, tout ça, qui sont assez épiques. Ça je dois dire, surtout à l'époque où je travaillais dans le bâtiment, il y a certains trucs que j'ai vu qui étaient assez marrants, donc voilà. Et je me suis dit, comme vous aimez bien en général, enfin les abonnés aiment bien en général, et bien savoir un petit peu des choses sur la vie du youtubeur, enfin de votre youtubeur, donc sur ce coup là moi. Et moi j'aime bien aussi bah, raconter des petits trucs qui m'ont fait rire. Aïe, je suis tombé un truc qui m'ont fait rire. Et je me suis dit pourquoi pas justement et bien vous en faire part de tout ça. Donc ça a rien à voir avec un story live hein. Donc de toute façon même si Joss regarde, bah qu'il se dit bien ça a rien à voir avec un story live, parce que moi c'est juste des petites histoires, voilà, c'est des trucs qui se sont passés, des anecdotes quoi, tout simplement. Donc ça n'a rien à voir avec les story live qui sont vraiment sur un sujet précis. Moi c'est juste des petites histoires, histoire de, bah, de vous faire partager tout ça et peut-être de vous faire rentrer dans le même délire que moi. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler d'une anecdote, voilà, concernant la salle de musculation. C'est pas vraiment une, c'est plusieurs trucs, mais salle de musculation, c'est vraiment un endroit où il y a moyen de bien délirer. Bon, moi je dis délirer, mais en fait, c'est je me fous de la gueule des gens. Et, mais parfois, c'est aussi chiant, et vous allez savoir, vous allez justement savoir pourquoi. Donc voilà. En fait, si vous voulez, c'est marrant parce qu'à la muscu, il y a ceux en fait qui débutent. Et qui ont aucune connaissance et qui font vraiment n'importe quoi. Donc une fois j'ai vu un type. Déjà c'était une allumette le mec, ou c'était un gros, je sais plus. Ouais. Non ouais c'était un gros ouais. Non c'était un mince. Et le type en fait, il allait 5 minutes sur tous les appareils. Il faisait 5 minutes de trucs. Et puis il allait à un autre. Mais le mec, ce qui me faisait marrer, c'est que je le voyais courir dans tous les sens. Mais il faisait mal évidemment, parce que bon voilà, on se dit pas ouais vas-y je fais de la muscu et je vais deux fois par semaine, je vais tout travailler un petit peu. Mais en plus il faisait ça comme une merde, il avait un appareil, il mettait deux poids de merde et ces séries il les faisait en deux secondes, donc ça fait le type il pousse comme un acharné super rapidement, mais ça sert à rien parce que c'est voilà, c'est mal fait, mais le type il faisait rire en plus avec sa petite tête de je sais pas, une tête de simplet. Le type il faisait 5 minutes de truc là, pou. Après il allait au bench, il prenait la barre de 20 kg. Donc la barre en elle-même fait 20 kg. Le bench c'est voilà, c'est vous poussez la barre tout simplement pour les pecs. Donc déjà il prend 20 kg. Et puis la même chose de nouveau, allez 5 minutes, pou. Il fait ça en 2 secondes, hop, fini, il court là-bas, il va faire son dos, hop, traction. Puis il va sur le truc, voilà, il va faire un peu de cardio, machin, il repart là-bas, tout ça. Moi je suis là en train de faire mes trucs, je le vois courir dans tous les sens à faire de la merde. Enfin voilà, c'est les genres de personnes qui connaissent rien et pas grand chose à la musculation. Merde, j'ai oublié de préciser que je vous avais mis un ensemble de finishing, parce que quand j'aurai, enfin de fatality, quand j'aurai le jeu, bah je ferai un let's play dessus, donc c'est un petit peu pour voilà, vous habituer un petit peu à tout ça. Donc voilà, c'est pas moi qui fais les fatalities si jamais. Mais voilà. Et voilà, ou alors il y a aussi les gens qui prennent 2 heures à faire leur truc. Et moi ça m'énerve parce que parfois ça m'emmerde moi parce que je dois faire des trucs. Il y a un gros, il est là, il me reste plus qu'un dernier truc à faire, mes abdos. Donc je, voilà, j'ai fait mes deux muscles. Après, bah voilà, après votre muscu, normalement vous devez faire les abdos. Donc j'avais fait ceux du milieu. Les obliques sont sur le côté quoi. Et il me restait ceux du bas à faire. Et il y a un gros, bah il est sur l'appareil si vous voulez, bah voilà, vous avez des poignets, vous mettez et vous êtes, je sais pas comment expliquer, mais enfin voilà, vous êtes pendu, on va dire ça un peu comme ça, vous pendez en l'air comme ça, voilà.
et vous levez les jambes et les rabaissez pour travailler le bas, enfin voilà. Et il y a le gros, il est là, et il parle à son pote, blablabla, il raconte de la merde sur sa vie, tout ça. Et il prend 2 heures, le type il prend une pause de 5 minutes, et en plus je suis même pas sûr de l'avoir vu faire des abdos. Le type il est resté là 10 minutes, moi je suis là à attendre sur mon banc en train de le regarder, hein, ce bête type. Je dois juste faire ça, puis je me casse. Et là, je le regarde en train de parler comme une merde, il reste posé, comme ça, tranquille, limite, il va dormir là, tu sais. Et voilà, et il fait rien. Et puis moi, dans ma tête, je me dis, putain, allez, je vais me ramener, et vous, maintenant tu vas bouger ton gros cul de merde, je vais faire mes abdos, puis je me casse. Mais non, mais non, je vais pas aller l'insulter, limite le taper. Vas-y, laisse-moi faire mes abdos. Non, ce sera pas. Donc voilà, et puis c'est barré dans ma tête, putain, enfin quoi. Je parle comme si que c'est le moment présent, quoi. C'est comme ça que je pense dans ma tête. Donc voilà. Et puis mon gros, il est resté là 5 minutes à causer pour rien. Et en fait, il a rien fait, quoi. Et moi, j'attendais là comme un gland pour faire mes abdos du bas. Donc finalement, j'ai réussi à faire mes abdos. Et puis j'ai pu me barrer, quoi. Mais bon, j'ai perdu mon temps pour rien. Ou ce qui est chiant aussi à la muscu, c'est quand, si vous voulez, moi à la salle, bah vous avez la partie haltère, donc ça, genre, ça fait 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, enfin 26, tu vois. Tu vois, donc vous voyez, voilà, c'est par deux. Et quand j'ai besoin, bien justement, de deux haltères, et que je vois un gland, un tout mince comme ça, enfin il venait de débuter, je crois. Il prend 2 haltères avec lui, mais le mec, tu sais, il prend un halter de 9 kilos, je crois. Enfin, ouais, voilà, c'est un des grands. Il prend un halter de 9 kilos, et il en prend un de 10. Alors que logiquement, quand tu travailles un muscle, tu travailles le même poids pour les deux bras. Je sais pas si ça a voulu faire une différence, ou s'il a voulu prendre directement des poids pour aller en augmentant. Mais là-dessus, moi, ça me fait chier parce que j'ai besoin de 2 poids, moi. Donc, si je veux un poids et que lui il se barre avec un, moi je sais rien faire avec un si l'exercice se fait avec les deux bras, quoi. Voilà, il y a des exercices, ok, je veux bien, c'est bras par bras. Donc là, je peux limite faire avec un haltère. Mais là, voilà, il prend 2 haltères de différents poids et je sais n'importe quoi. Le type fait n'importe quoi, il va travailler moins le gauche et plus le droit, enfin. Enfin, bref, voilà, c'est. Il y en a plein des comme ça qui font de la merde, c'est abusé. Puis, allez, il y a un gland. Ça s'est passé aujourd'hui d'ailleurs. Il va au bench. Il s'échauffe même pas, tu sais. Il met directement des poids. Et ce clampin, il est resté bloqué. Il est resté bloqué. À sa septième poussée, il est resté bloqué. Je sais pas, il a voulu faire le malin. De toute façon, moi, je le voyais déjà. Et je me dis, putain, il est pas très balèze. Et il met directement 50 kilos. Il est resté bloqué comme une merde. Quand il y avait son pote à côté pour l'aider, mais voilà, il est resté bloqué comme une merde. Donc il y en a beaucoup, ils font les shows, tout ça. En fait, c'est voilà, c'est des losers, c'est des losers, quoi. C'est des shit, quoi. Alors voilà, la muscu, c'est un endroit, bon, bah pour moi, c'est le paradis, quoi. Il y a des glaces partout, on se regarder, voilà, on se défonce. C'est le plaisir de se défoncer en fait, la muscu c'est ça quoi. C'est, on a, ils se découragent vite, mais moi j'aime aller à la muscu, j'aime avoir mal après les exercices, tout ça, c'est sentir qu'on a travaillé quoi. Moi je me plains pas de faire de la muscu justement, au contraire j'aime bien. Et on a, bah ils se forcent à y aller parce que monsieur veut épater les filles ou voilà, des trucs comme ça, et qui après 2 mois, bah ils arrêtent quoi. Mais voilà, ça c'est des autres cas. Et moi, je ne fais pas partie de cela. Donc voilà. En tout cas, petite anecdote sympa. J'ai plein de trucs à dire. Ça a abusé. Plein d'autres sujets. Franchement, c'est une série qui me botte bien. Parce que j'ai plein d'histoires. Vous imaginez même pas. Bah voilà, j'espère vraiment que le concept vous plaît. Voilà, vous me raconter ma life. Et vous faire participer un petit peu. Bah, ce qui m'a fait délirer. Ou ce qui me fait rager. Hein, comme dans ce cas-là, le gros là. Et voilà. Voilà les gars, si vous avez aimé ce premier épisode, je vous invite à laisser un petit pouce vert. Et on se retrouvera tout simplement sûrement pour le premier épisode de Mortel Kombat. Allez, sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien, ciao ciao tout le monde.